Hello tout le monde, c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien les amis, en direct sur StarCraft 2 pour continuer cette magnifique campagne dont je ne sais absolument pas où on en est, hein. On en est sûrement début, milieu, voilà. Arrêtons de dire des conneries et commençons tout de suite cette vidéo par les formalités. Ticus les infos. La tentation est extrême. Allez, Ticus. Revenir aux attaques de train, ça te rend nostalgique? Bien entendu. On a dû se faire le Shell Express une bonne douzaine de fois à la grande époque. Ouais. Ah, cette combine-là, c'est jamais démodé. Elle a quand même bien failli nous tuer quand ils ont commencé à lancer des patrouilleurs à nos trousses. Non. Il n'y a jamais eu personne capable de te rattraper sur un vautour, Jimmy. Ça rendait le tout encore meilleur. Comment t'as réussi à décrocher un boulot de Marshall après tout ça? C'est là qu'est le mystère. Mystère. Ah, attaquons-nous tout de suite. Attaque de train. Ah ouais, non. Vous serez bientôt un vrai pirate, monsieur Raynor. Ah non, pardon. Il rigole. D'accord. Les infos, let's go, c'est pour nous. Mesdames et messieurs, chaque soir, je vous transmets les informations de la façon la plus objective et impartiale possible. Bah oui, mon cul. Mais oui. Ce soir, j'ai un commentaire à faire. Ouais. On m'a demandé quelle était la différence entre notre dirigeant, l'empereur Mensk, et le traître Jim Raynor. Dans sa jeunesse, Mensk s'est rebellé contre le gouvernement et est arrivé au pouvoir par la violence et la subversion. Pourquoi Jim Raynor ne pourrait-il pas faire de même? Eh bien, la différence, la voici. Lorsque l'empereur Mensk a entamé sa révolution, il n'y avait pas de menace sur l'humanité tout entière. James Raynor, lui, déclenche son insurrection alors que nous sommes en guerre avec deux races aliens. Pouh. James Raynor, vous n'avez donc pas de conscience? Oui, c'est James. Ne croyez-vous pas que vous devriez mettre vos griefs personnels de côté et rejoindre les rangs de l'humanité tant que nous luttons pour la survie de notre espèce? Ah, tu m'as vu ou quoi? Il n'y a pas écrit bisu. Oh, y a pas écrit pigeon, hein, trou du cul, là. Ah là là. Ah. Télé. Na. Ouais, bon. Avec la musique qui tue, là. Hop. Alors, les mercenaires, bon, on a tout engagé. Ouais, on a tout engagé. Ok. On va faire un petit tour à l'armurerie, puis on passera par le laboratoire avant de commencer la mission du jour. Donc, toujours le maraudeur, le flammeur. Ouais, le bon vieux temps, les attaques de train, youpi, bang, bang. Ou trop bien, je fabrique des crotales. Ouais, bon, il est un peu pété, lui. Ok, bon. Véhicule, on a débloqué, donc, ouais, le Goliath et le crotal. Infanterie, donc, on avait dit que... Alors, on a 150 000 à dépenser. Alors, moi, ce que je propose... Non, pas les points d'armure. On va faire ça, ouais. Ah, ça me paraît bien aussi, les charges... Ah ouais, carrément. Acheter. Ah non, je vais... Ah si, c'est bon. Alors, soit on achète ça, soit vos véhicules, il y a quoi, le crotal? Crotal gagnant. Oh, pff, non. Goliath, non. Acheter, ouais. Bah, écoutez, on va prendre ça, hop, aussi. Tac. Voilà. Ok, on a fait nos petites emplettes. Donc, on a pris l'obus incapacitant qui permet de ralentir grâce aux maraudeurs. Enfin, les roquettes des maraudeurs ralentissent l'ennemi. Très utile. Et après, les mines, hein, vous savez ce que ça fait. Hein, mine charge antipersonnelle, voilà. Hein, ça fait beaucoup de dégâts. Oh! Ah oui, c'est vrai, c'est l'aide de camp chelou qu'on a récupéré. Qu'y a-t-il, Jim? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur Tarsonis? Hein? Je vois bien que ça vous mine. Tarsonis, c'est là que tout a dérapé. Mensk a volé un émetteur psy à la Confédération et l'a installé là-bas. Il savait que ça attirait les ergues et... Notre révolution a commencé ce jour-là. Le jour où Mensk a massacré une planète entière au nom de sa justice. Mon Dieu, des milliards d'innocents. C'est... Oh. C'est tout bonnement monstrueux. Oh. Oh. Pas étonnant que vous le détestiez à ce point. Ah bon? Oh bah tu... Je pourquoi tu dis ça? Oulala, ça commence à être chelou là. Là ça a grandi là. C'est un espèce de truc. Il y a de toute évidence une fonction motrice malgré l'absence de cortex cérébral.
Ah oui, c'est lourdement d'aigle là. Il dégage plus de chaleur que dans cette queue, j'ai compris. En certains cinq sont fouillés, c'est extrêmement sophistiqué. Il possède des millions de petits muscles qui vibrent à basse fréquence pour ramollir la terre, désagréger la roche et casser la végétation. Ils peuvent nager sous le sol. Ils ne vont pas aussi vite que sur leurs pattes, mais presque. Oh là, les ergs, c'est un peu chelou. Bon. Oula. Ah, bon, laisse tomber, je te parle plus. Ok, alors est-ce qu'on a débloqué des trucs? Ah oui, en zerg. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a? Tourelle perdition, tourelle lance-flamme qui s'escamote quand elle ne combat pas. Alors ça, je suppose c'est sur un. Ah ouais, ça c'est bien craqué. Et ça, forteresse planétaire, les centres de commandement. Ah ouais. Bah écoutez, je vais prendre les tourelles. Ça a l'air plus fun. Franchement, là, je. Ouais. Ah, y a des trucs qui m'ont l'air intéressants plus tard. Bon, bref. Donc voilà. Ok. On peut passer à la passerelle pour pouvoir débuter la mission. On va parler à monsieur. Je suis à la recherche d'un expert en cryptage pour ouais. accéder à l'aide de camp que nous avons récupéré. D'accord. Sans succès pour le moment. Le colonel Orlan au port du mort peut décoder n'importe quoi. Ça fait un bail que j'ai pas mis les pieds là-bas. Et dis donc. Tu t'es pas retrouvé marié la dernière fois qu'on y était? On en a déjà parlé. Si j'avais su quelle était la mise, je n'aurais jamais ramassé ces cartes. Hein? Les retrouvailles d'amoureux, ça me tire toujours une petite larme. Ah. What? Ah, oh, fait heureux au jeu. Ah oui, tiens, ça fait penser à... Alors, comment on fait pour... Alors, hop. Menu... Au fait, voilà. Alors, je voulais... Juste un petit instant, c'était pour... Attendez, alors mission, non c'est pas mission, la colonie. Oh putain, ça va être la merde ça. La rébellion, l'artefact, la prophétie. Oh, je sais pas, je voulais voir les hauts faits pour non obtenu. Les hauts faits pour la prochaine mission et pour essayer de les avoir, mais bon, en fait, c'est la merde. Bon, j'ai la flemme, hein, on s'en fout, c'est pas grave, on va faire au feeling à la one again. Oh, on a trois missions. Meinhof, le port du mort est le site principal de la planète, le roc du mort. Le port a longtemps été un refuge pour les trafiquants et pirates cherchant. Vigilant flotte est suffisamment loin pour conserver son armement, même si, au contraire, il est principal. Connu pour ses riches réserves de minerais, Meinhof a été contrôlé par un. Une tentative pour les réfugiés qui fuient l'invasion Zerg. D'après les ruines qui ont été exhumées, la culte indigène de la planète aurait été anéantie. On va faire Meinhof, les amis. Jim, en normal. Les populations avec le tourmenteur. De tout le secteur se servent de Meinhof comme d'une zone de transit. Mais avec autant de gens dans un espace si restreint, une sorte d'épidémie a commencé à faire des ravages dans les camps. Ah. Je vous en prie, mes concitoyens ont besoin d'aide. Nous devons faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Un virus dévastateur, connais pas moi. Oh, une cinématique. Système de Meinhof. On doit s'attendre à quoi, Doc? Nos relevés indiquent qu'une sorte de bio-infection se propage dans les camps de réfugiés. Wow. Même les bâtiments semblent en être couverts. J'ai déjà vu ce genre de choses. Ça craint. Zerg, la seule chose que nous puissions faire, c'est de tout brûler. Les bâtiments contaminés doivent être détruits jusqu'au dernier. Mais où sont-ils tous passés? Ah, oh, d'accord. Ces choses, ce sont des réfugiés infectés? Non. C'est un cauchemar. C'est des araignées, ouais. Ça ressemble. Ça se présente plutôt mal. Ils ont des grosses mains, c'est chelou. Apparemment, ils s'enfouissent sous le sol pendant la journée et ne sortent que la nuit. Le virus doit les rendre vulnérables à l'important rayonnement ultraviolet de l'étoile de Meinhof. Alors on attaquera les bâtiments contaminés de jour et on protégera la base de nuit. Vous inquiétez pas, Doc. On laissera pas ce truc se propager. Ah, j'espère, ouais. T'as intérêt, Michel, hein, parce que là... Moi, je dis ça pue, hein. Mais c'est plus grave, même. Ouais, infestation. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il y a une espèce d'étoile qui émet des rayons ultraviolets absolument... puissants de l'extrême. Pourquoi il y a une... Ah oui, d'accord, c'est cette planète qui fait de l'ombre. D'accord. Soyez agressif pendant la journée, utilisez des unités rapides et soyez de retour avant le coucher du soleil.
Oui, c'est une excellente idée. Je ne vois pas pourquoi je ferais autrement. C'est un très bon conseil. Des unités rapides. Ah, bah c'est pour ça qu'on va devoir utiliser le tourmenteur. Eh oui, on va se servir donc de la factory. Ok, let's go les amis. Tac, 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 je définis le point de ralliement. On va mettre un mec au Vespen au début, ouais. Histoire de... Ah oui, et on n'a plus besoin... attendez, je regarde ma base. C'est quoi ça? Une toile de détection. Ok, on a deux zones ici. Ouais, ok, ça m'a l'air, ouais. Bon. Écoute, on va faire deux... Bon les gars, on peut pas risquer la contagion de ce camp. Ouais. Je veux un périmètre de sécurité et des bunkers en place immédiatement. Bunker, bunker, t'as bunker. Le béguin pour la petite toubib, Jimmy? La petite Si c'est toubib. pas ça, je vois pas pourquoi tu continues à vouloir te battre pour cette bande de cutéreux. J'adore comment il parle. La petite toubib. Petite toubib. La petite toubib. On va le mettre ici, ouais. Sachant que... On a des tourelles installées dessus, ce qui augmente carrément leur puissance d'action. Donc, faut qu'on améliore l'économie, comme d'hab. On va rajouter des casernes pour avoir des maraudeurs, mais pour l'instant, on a des flammeurs. Ouais, ça me paraît suffisant. On va rajouter des marines. Allez, là, faut que j'ai un boost. Ça sert à rien de faire autant de VCS. Alors, je me demande si c'est pas un. Ouais, non, ça va être la merde. Bon, écoutez, on va tester comme ça sans forcément. Ou alors juste faire des. Voilà. Des. Juste faire des dépôts de ravitaillement histoire de colmater un peu l'endroit. Mais en pouvant les baisser parce que sinon ça va être. Ça va être la. Hop. Oula, j'ai pas assez de minerais. Ouais, excusez-moi. Nettoyer l'infestation. 144 bâtiments restants. Ok. C'est la nuit. Oh putain, on y voit rien là. Cycle jour-nuit. Ouais, c'est bon, je suis pas teubé. Hein. Je sais ce que c'est qu'un cycle jour-nuit. Maintenant, hein. Il faut tenir jusqu'à l'aube. Préparez-vous, ça pourrait être chaud. Pas assez de minerais. Bon, écoutez, on va économiser là parce que ça commence à devenir short niveau minerais là. Oh, j'ai l'impression qu'il y a des baisses de framerate. Lorsque la nuit est présente. Ouh là là, bah, je m'en excuse si c'est pas super fluide. Hein. Ok, bon, ça m'a l'air sérieux là. Le plan est fait. Par contre, je sais pas s'ils attendent. Ils sont cons. Hop, toujours plus de VCS. Oh, on tourne aux alentours de 15 images par seconde là, c'est pas très élevé. Hein. Qu'est-ce qu'ils attendent là? Ah, c'est bon, ils arrivent. Ah ouais, regardez, ça m'a l'air d'être. Ah oui, dur. Bah, écoute mon gars, hein, c'est. Là je veux bien. Hein. Ouais d'accord, bon. Hein. Bon, ça m'a pas l'air trop compliqué comme mission, ouais, c'est un espèce de survival. Je suppose que ouais, le jour on va devoir aller tout péter. Ouais. Écoutez, d'abord on va se concentrer sur notre économie. Hein. Toujours plus de VCS. On fait du marine sans masse. Voilà. Bon ouais, tant que ça reste comme ça, là c'est bon. Hein. Avec les tourelles qui sont installées. Voilà, sur l'accélérateur de projectiles, c'est quoi ça? Ah, c'est bien ça. En plus, j'avais oublié que j'avais mis la technologie. Accélérateur de projectiles qui augmente la portée des unités qui sont présentes dans le bunker. Plutôt utile. On va définir un point de ralliement, ouais. On essaie de s'amasser une petite armée. Hop, toujours des VCS en construction. On essaie de maintenir la production de marines. Je vais bientôt refaire une deuxième. On va faire une usine. Je vais faire une autre caserne, deux autres casernes pour faire les maraudeurs aussi, mais là je vais. Écoutez, je vais faire une facto que tu vas me construire tout de suite. Et je l'ai construit trop près, bon, c'est pas grave. J'espère que c'est du sérieux. Ils m'ont pas l'air très coriaces, hein, les types. Bon.
Oh là là, c'est pas fluide du tout. Je m'en excuse sincèrement. On va les préparer, on va les mettre ici. Pour lancer une petite attaque au lever du jour. Ouais, ça me semble pas mal. Toujours plus de VCS. En fait, ouais. En fait, je... Ouais, ouais, c'est très puissant. L'association tourelle plus... Marines dans le bunker, ça déchire tout. Par contre, il est taré, lui. Recule, mon gars. Allez-y, allez-y. Ouais, ça m'a l'air... Ça m'a l'air un peu plus chaud. Ouais, quoique je dis ça, non, je déconne en fait. Non, en fait, il s'en sort très bien. Non, non. Y a pas de problème. Toujours plus de maraudeurs. Comment ça, la base est attaquée? Bon, oh, ouais, fou. Pas de moi là. Allez, toi, tu vas me construire une autre facto. Oh shit! Je peux pas faire les tourmenteurs. D'accord, je ne peux pas faire de tourmenteurs. De tourmenteurs. Non, c'est pas des tourmenteurs. Si? Ah bah merde. Ah, d'accord. J'ai les plans de montage des tourmenteurs que t'as vu sur Mars Sarah. Ça devrait nous être utile par ici. Ah ouais, bien. Bah écoute, on va faire. Ah bah nickel, j'ai construit une facto. Bon, d'accord, merci. Ah, dépôt de ravitaillement. Écoutez, on va en faire. On fait tourner le matos. Hop. Ah là, ça lag vraiment sévère la nuit. Bon, alors je m'excuse totalement, je... C'est pas prévu. Mais non, ça c'est qu'une... Le jour va se lever. Le jour va se lever, ok. Ah, voilà. Ça revient. Je devrais peut-être baisser les graphismes pour avoir une meilleure... Ouais, pour avoir une... Bah pour que ce soit plus fluide, hein, tout simplement. Allez, fais pas chier. Hop. Décidément, c'est... Ah, c'est bon, c'est revenu à la normale. Ouais, c'est... Ça fait laguer, en fait. C'est à notre tour d'aller leur chercher des noises. Hein? Non, c'est pas prévu. Ok, let's go, les amis. On y va. Alors, déjà... On a 5 minutes pour aller tout péter. D'accord. J'espère que c'est du sérieux. Hop, let's go! Est-ce que c'est... une sorte de nid? Vous feriez mieux de le détruire. J'ai failli attendre. Alors là, on doit tout péter. Ah, excusez-moi, c'est mon Facebook. Je m'excuse, on n'a rien entendu. Allez, hop, on fait des marauds. On va mettre un deuxième... Non, un deuxième Vespen là, ouais. Avec la musique et tout, là. Pas assez de minerais. Pas assez de minerais, tu connais moi, là. Bon, écoutez, on va économiser un peu. Allez, pétez-moi tout ça. Furé, faut que j'arrive à gérer les deux en même temps. Écoutez, on va... Ah, excusez-moi, téléphone. Je fais une pause, je reviens tout de suite. Excusez-moi, coup de téléphone qui n'était pas prévu, je m'excuse. Hop, on reprend tout de suite. On pète tout, on pète tout. Et ils sont... Ah, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Oh là là. Bah écoutez, on va faire toujours plus de... Non. Hop. Allez-y. Hop, vous vous êtes... Non. Passez aux choses sérieuses. Vous allez bosser, vous. Hey, qu'est-ce qui se passe? Non, vous allez bosser là. Ok, bon, let's go. Hop, hop. Maraudeur, tourmenteur. Tourmenteur. Ok, vous continuez à péter ça. Bon, ça va se terminer plutôt vite, hein. Allez, allez, hop, hop, on se magne. On pète.
On pète tous les trucs infectés, on pète ça aussi. Des espèces de chrysalides. On pète tout. On ne laisse aucun survivant. Non, je déconne. Hop. Pendant qu'on y est, on va péter ici. Non, là, plutôt là. On dirait que ce secteur est nettoyé, Jim. Vous feriez mieux de passer au suivant. J'ai l'impression qu'ils sont un peu teubés là. Hop, ouais, bon, cette mission ça va. Ah, des Marines qui se sont fait un petit peu trucider là. Allez! Hop! Ah, on va pouvoir construire une deuxième base ici, j'ai l'impression, ouais. Les tourmenteurs, pas assez de mines, ouais. C'est ce que je dis, moi, à ces gens-là. Ah, le secteur est pas tout à fait nettoyé. Ah là là, mais ils peuvent rien faire tout seul, là. Ça, c'est pas bon pour les affaires, ça. Ouais, on a le temps, là. Faudrait péter un nid, là. On va péter ça, là. On dirait que ce secteur est nettoyé, ouais. Jim. Ce secteur est nettoyé. Ouais. Oh, bon, on a le temps, en fait, finalement. Je pense que ça va se finir assez rapidement. On va conserver ça. Ouais. Allez, on pète tout. Là, on en est... Allez, on pète tout. Bon, finalement, je vais les envoyer. On envoie tout. Ah, dépôt de ravitaillement. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on fait, là? Quand c'est comme ça, eh ben, hop. BS, je vais tenter de faire avec les touches. Ah, j'ai pas assez de minerais. Vous avez bien réduit leurs effectifs, Jim. C'est du très bon travail. Je sais. Au pire, on peut les laisser dehors, je pense. Hein. Vu ma puissance surdéveloppée de psychopathe malade mental, je pense que ça devrait pas poser de problème. Parce que de toute façon, ils apparaissent d'ici, les ennemis. Ouais, on va tenter, on va faire un test. On va voir ce que ça donne. Ah, par contre, j'espère que ça va pas trop laguer. Par contre, j'avais vraiment pas pensé à ça, je m'en excuse sincèrement. Si ça lag trop, bah écoutez, tant pis. Hein. Vous allez faire avec et puis merde, hein. Non mais oh. Hop, vous retournez au boulot, vous, au lieu de vous toucher les nouilles. Enfin, toucher la nouille. Ah mince, j'ai pas assez de minerai, ouais. Effectivement. Oh, ça a bien dû les énerver. Voilà, regardez, ils sortent de là. Vous devriez poster des gardes. Ils ne vont pas tarder à revenir. On dirait que ce secteur est nettoyé, Jim. Ah, regardez, ils sortent tous de là. Ah ouais, par contre, ici, ouais, ça... Hop. Des marines contaminés. Sans déconner, Jimmy, j'aime vraiment pas cette idée. Des marines contaminées. Bah écoute, hein. On dirait que cette zone est sécurisée. Continuez les gars, on peut y arriver. Par contre, faut que je fasse gaffe. Les senseurs captent une biosignature zerg particulière. Mais non. Il s'agit d'une créature enfouie qui passe la journée sous terre et ne sort que la nuit. Si vous tuez une de ces créatures, Stepman pourra l'étudier et peut-être en tirer quelque chose. Bah oui, t'inquiète pas. Sérieusement. C'est dégueulasse. Un coup de pied dans la fourmilière. Ah mais tellement, moi je suis un psychopatate, moi. Moi je fais que ça toute la journée. Par contre, est-ce que j'arrive à gérer? Ah ouais, attendez. Par contre... Non, j'arrive à gérer ici, c'est bon. Ouais, par contre, vite. Réparez-moi ce truc. Oh putain, c'est chaud patate. Non, ça c'est que dans ta tête, ça. T'as pas mal partout. Meurs. De l'aide, ça c'est pas de refus.
Allez, on est des ouf. Non, on se bat pour la... Non, j'ai fait... Non, j'ai n'importe quoi, moi, en plus. Je commence à péter un câble. Ici, c'est la fiesta. Il y a tout le monde qui crève. Hop. Allez, hop. Un petit coup de stimulant, ça devrait leur faire du bien. Ok, bon. Ici, ils ont l'air d'avoir du mal. J'espère que c'est du sérieux. Ici, on va renforcer les effectifs. Ok, bon, ça m'a l'air pas mal. On gère, on gère. Hop, c'est vrai que cramer, ça résout pas mal les problèmes. Eh, mais non, mine de rien, ils s'en sortent. Hein. Les flammeurs, ils sont toujours pas morts. Hein. Je tiens à le signaler, les amis. Et vous, là, au lieu de vous toucher, hein. Oh. C'est vrai que les marines contaminées, hein, ça devient chelou. Parce que en plus, ils tirent, quoi. Non, mais oh. Non, ça, c'est dans ta tête. T'as pas mal partout. Et eux, sont décédés. Ok, les amis, c'est officiel. Ils sont décédés. On va faire des médics. Nouvelle valve de médics. Ici, flammeur. Flammeur, flammeur. Est-ce que j'aurai assez de minerais? Ouais, j'espère. Allez, hop. Allez, flammeur, flammeur. Pendant ce temps-là, on pète tout ici. On pète la muqueuse Zerg. Vous avez bien réduit leurs effectifs, Jim. C'est du très bon travail. Ouais, je sais. Attends, oh, tu crois que je suis payé pour quoi? Hein? Je suis pas payé à rien foutre. Enfin, si, mais... Dans un sens, oui, hein, bien sûr, mais... Voilà, les flammeurs sont arrivés. On a refait les effectifs. De toute façon, là, il n'y a plus rien qui passe, hein. Vas-y, faut tout péter, là. En fait, si on pète les infestateurs. D'accord, alors ok. Alors ça, ça va être un haut fait. On ira direct le péter le prochain jour. Franchement, ils doivent rager. Ils ont percé la barricade sud. Envoyez des troupes sur place. Holy shit. J'ai vu un truc du genre dans un film. Ah ouais, là, mais là, si tu veux, on est... Cette chose, c'était humain? Oui, c'est humain, oui. C'est ma bite. Non, j'ai con... Non, là, c'était complètement gratuit et... Et pas justifié. Là, ça commence à être un peu chaud. Bon, ça va, en fait, c'était simple quand même. Ok, bon. Ça va, on gère. Point de sauvegarde atteint. Ok, on a récupéré le jour. Hop, on sort. On va tout défoncer. Vous devez être de retour avant la nuit. Eh oui, des stress. Allez, on va tout péter. On refait. Oh, tu me scies les couilles, toi, avec ton pas assez de minerais. Allez, on pète tout. Faudra bien sûr penser à aller démolir l'infestateur là. Je comprends pas pourquoi le truc a spawn là-bas en fait. Énigme. Énigme, coïncidence. Non, je sais pas. Là, je pense qu'on va, on va pas tarder à aller se faire une, on va envoyer un probe. Voilà, je vais chercher le mot. Et eux là, purée, au lieu de vous toucher, allez tout péter là. Allez, on casse tout. Par contre là, j'avais pas vu, mais il y a un...
Il y a l'air d'avoir des bâtiments là. On va aller faire un tour ici là. Allez me casser ça. Ok. Le probe est arrivé. Par contre, il n'y a pas de Vespen. Hop, on construit la deuxième base. Ici, ça envoie du pâté. Putain, il se touche tout à l'heure. C'est assez chaud, les amis, de gérer un peu tout le monde là. Et on a une deuxième, enfin une troisième base ici. Allez. Qu'est-ce qu'il fout là sur la mer? Hop. On avance. Allumez-moi ça. Eux ils se touchent toujours. Ok, bon. On a libéré ce secteur. Très bien. Le secteur est sécurisé. Ok, bon. Maintenant en route vers la zone suivante. On passe par ici. On se fait plaisir. Faut tout gérer. Dans la mouise, qu'est-ce que t'as fait pour être dans la mouise? Hop, dépôt de ravitaillement. Oh, il va pas me commencer à me casser les couilles, lui. Allez, mais bossez, bande de feignasses. Ah, très bien, le secteur est sécurisé. Beau boulot, les gars. Maintenant, en route vers la zone suivante. Ok, bon. Eux, on va les rassembler ici, en bas. Vous allez me péter ça, là. Envoyez-moi quelques sacs mortuaires. Ah, pétez-moi ça. Je veux des résultats. Bon, on va y tout ici. Ok, là. On fait du probe. Ok, là c'est bon, on a tout. Ouais. On va voir si on peut refaire des maraudeurs. Ouais. Il faut choper l'infestateur, hein, bien sûr. Ne pas oublier, c'est une règle primordiale. Eux, on va les faire aller dans cette zone là. Bon, ça va, c'est facile comme mission. C'est pas comme si c'était super dur. Envoyez-moi quelques sacs mortuaires. Je suis dans la mouise. Mais non, ça c'est dans ta tête. J'adore parce que chaque fois je dis ça, mais ça veut totalement rien dire. Très bien, le secteur est sécurisé. Beau boulot, les gars. Ouais, maintenant, c'est sécu. En route vers la zone suivante. Là, on commence à se refermer, on va pas tarder. Même la nuit, hein, au pire. Parce que de toute façon, il n'y a plus qu'une zone où ils peuvent apparaître, alors. Allez, on continue. Faut gérer les deux. Est-ce que l'infestateur est toujours... Ah non, l'infestateur il sort que la nuit. Vous avez presque terminé. Il ne reste plus qu'une poignée de biosignatures contaminées. J'indique leur position sur votre carte. Bon, attendez, on va se calmer là, il reste que 10 bâtiments. Non, attendez, on va se calmer. On va juste buter ça là, ouais. Voilà, pour finir la mission d'une traître. Pour avoir l'infestateur, voilà. Et pouvoir finalement faire le fait. Ok, on va stationner nos troupes ici. Et pourquoi pas, on va emmener tout le monde. Allez hop, c'est la fiesta. On invite tout le monde. C'est gratuit les amis, c'est gratuit complètement. Hop, franchement notre minerai aura tenu. Ouais. Par contre, attendez, on sait jamais, on va garder quelques mecs à l'entrée. Il fait maintenant nuit. Ah bon? Tu crois? Ouvrez l'œil, il va y en avoir d'autres par là. Attends, moi je veux l'infesteur, moi. Ah voilà. L'infesteur. C'est ça? Ah, c'était cette merde! Ah bah d'accord, en fait. Moi je crois que c'était un énorme ver géant, si vous voyez de certains wesh. Oula, c'est quoi ce... Oh dur, c'est sévère là. Le mec il a pris cher là par contre.
Allez, moi j'active le stimulant. Ouais. On va aller péter ça. Ouais, bon, allez, what the fuck. Ah, on y va, on finit, les amis. On va finir cette superbe mission. Bon, là, ça aura pas été très compliqué, hein, mais. Hop, il y a de la grillade de partout. Ça pisse le sang de zerg de partout. Il y a des mecs qui tentent d'aller à ma base, mais qui n'auront pas le temps. Et voilà, les amis, c'est terminé. Enfin, j'espère. Oui, magnifique. Avec le lac de l'infini, puisque c'est la nuit. Je pense que je vais baisser les graphismes. Maintenant, je dois trouver un endroit où ils seront en sécurité. Ouais. Ça va pas être si facile, ma belle. Le secteur ma belle. Brouille de zerg. Ma belle. Ça, ça veut dire. Il doit bien y avoir un endroit que ces aliens n'ont pas contaminé. Un paradis caché qui nous attendrait quelque part. Bah ouais, bien sûr. Et tu crois au Père Noël aussi. ah oui, je voulais vous dire. Je vais m'acheter. Enfin, je vais changer de PC dans un ou deux mois là. Cet été là. Ah bah deux au fait. Bah voilà, nickel. Ah bah nickel, on aurait dû faire ça en mode difficile. Ouais, bon, bah, ça me fait deux au fait, bah je suis content là. C'est nickel. Et donc je disais, je vais m'acheter un PC dans un mois ou deux, enfin cet été, un bon PC de gamer. Là, je pouvais faire toutes les vidéos que vous voulez, sur tous les jeux que vous voulez, en ultra, enfin, voilà quoi. Hein, je pourrais me faire plaisir. Là, je vais baisser peut-être un peu les graphismes, parce que vous voyez là, dans l'émission où il fait nuit, bah ça fait un peu buggé. Enfin bref. Merci de nous avoir rejoints. Notre envoyé spécial, Kate Lockwell, est en direct à bord du vaisseau de réfugiés, le Skinner 2, en orbite autour Skinner. De la planète. Denis, le bilan s'alourdit de plus en plus vite ici. D'immenses flottes de réfugiés comme celle-ci tentent de rallier les mondes Skinner. Du noyau. Mais beaucoup n'y parviendront pas. Le manque de nourriture, d'eau et d'espoir. Kate, nous allons discuter plus tard des opérations de sauvetage. Va te faire enculer. Pardon. Les réfugiés parlent beaucoup de sauvetage, mais la plupart d'entre eux placent leurs espoirs dans des groupements paramilitaires comme les rebelles. Excellent de reportage, Kate. En direct d'un vaisseau de réfugiés. C'est tellement drôle. Où tout le monde attend avec impatience le retour du Dominion. À suivre, un éditorial signé Vermilion. Avons-nous vraiment une responsabilité envers les réfugiés? J'adore. Merci Kate, on en a rien à foutre. Au revoir. T'as vraiment le cœur sur la main, Denis. Ah putain. Tellement drôle. Je sais pas si vous avez remarqué, le vaisseau il s'appelle Skinner 2 comme Linear Skinner. Oh, j'ai oublié le nom du groupe. Enfin, ouais, c'est eux là, ceux qui font cette chance. Merde, bah justement j'ai été. Je vais la retrouver. Voilà celle-là. Sweet Home Alabama. C'est Lynyrd Skynyrd. Je crois le nom du groupe, ouais. Ça doit être ça. Bon, bah. Eh ben on a gagné. On a gagné pas mal de choses. Ok, bon bah je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais, tout est fait. Bon, moi, bah, j'espère que cette. Épisode vous aura plu, laissez un petit j'aime, un commentaire et bien sûr abonnez-vous pour voir la suite de la campagne de StarCraft 2. Allez, portez-vous bien.